Aujourd'hui, au terrain Bosimbourg, la Kinas Cup a atteint un point culminant avec deux demi-finales palpitantes. Les quatre équipes en lice ont tout donné pour décrocher leur ticket pour la finale. Et l'énergie sur le terrain était tout simplement électrique. Il s'agit de l'équipe C'est ma part qui a battu l'équipe Le Cri des Orphelins sans faille, dominant leur adversaire avec un score final de 2 buts à 1. Leurs joueurs ont fait preuve d'une cohésion remarquable, assurant leur place en finale grâce à un esprit d'équipe irréprochable et des talents individuels éclatants. Et l'équipe Les Enfants d'abord, qui a écrasé l'équipe La Mission de Dieu, a livré une performance exceptionnelle, se qualifiant pour la finale après un match intense qui s'est terminé par une séance de tirs au but. Leur gardien a été l'homme du match, réalisant deux arrêts décisifs qui ont scellé la victoire. Le président du département des orphelins a exprimé sa satisfaction. Président du département des orphelins. Comme vous le voyez, ça fait déjà deux jours, aujourd'hui c'est le troisième jour, que nous avons commencé notre tour. Alors, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé par la grâce de Dieu. Et nous appelons tout le monde massivement à participer aussi à la finale. Et surtout, venons nombreux pour aider les enfants, pour apporter des soutiens. Comme on le dit souvent dans notre fondation, c'est la joie depuis l'enfance. Alors, nous félicitons aussi les participants et surtout ceux qui sont qualifiés pour les deux finales, que ce soit la grande finale et la petite finale pour la troisième place. Et courage encore, parce que ce qui est vraiment important, c'est surtout de participer et surtout de jouer avec son cœur, de s'amuser. Et voilà. Ces deux équipes s'y retrouveront le 31 août pour une finale qui s'annonce historique.